Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que de rencontrer jeudi, qui c'est lundi 26 juin pour nous poursuivre avec études École du Sabbat, semaine. Pour même qui te connaît, m'a rappelé que nous avons un nouveau trimestre. Ou même tout qui pas te connaît, et tout dit ça, nous abordons ensemble et bien, un nouveau trimestre. Songez, nous commençons avec études ça, depuis guide d'études ça, ou bien un nouveau trimestre nous depuis. Samedi qui était 24 juin et nous avons privé avec les vendredi qui est 29 septembre. Et bien, guide d'études ça a livré 14 études pour nous. Et bien, nous avons c'est et thème ça qui c'est l'épître aux Éphésiens qui nous avons bien pour nous développer ensemble tout au cours du trimestre là. Mais semaine ça, nous déjà dans l'étude numéro 1 et thème c'est Paul et les Éphésiens. Avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble aujourd'hui, qui c'est lundi 26 juin. On prie bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter. Depuis jeudi, pour vivre dans l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci au Père parce que vous avez une opportunité encore jeudi pour nous approfondir connaissance nous dans la parole. Nous demandons au Père que l'esprit nous l'éclaire assez pour nous capables de recevoir l'instruction sérieuse. Et bien nous tout l'esprit discernement pour que nous sommes capables de mettre la parole en application et vivre suivant. Ordonnance. Fais grâce à l'écrit. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Zamim, je remercie, je félicite pour ensemble d'efforts que vous faites jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu. Et surtout à travers guide, études, école du sabbat. Et songez, l'offre d'étudier, je toujours prends plaisir à encourager vous pour partager étudier avec entourage vous, pour rendre plus de monde qui a accès avec parole ça et étudier parole ça également. Et si vous vous abonnez avec la plateforme Noyo, vous pouvez mettre courir vite à faire ça. Allez sur Facebook, tapez ta parole, est une lampe, et sur YouTube, tapez Anderson Ducasse, comme ça vous êtes capable d'abonner ensemble avec nous. Et chaque fois que nous partageons une nouvelle étude, vous avez un accès direct pour capable eh bien, approfondir ou bien nourrir l'esprit avec la parole de Dieu. Et ce maintenant, nous avons étude numéro 1, Paul et les Éphésiens. Verset à mémoriser. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 et 10, texte pour nous garder en tête nous. Pour étude dans semaine ça. Jeudi, c'est lundi 26 juin. L'émeute dans le théâtre. C'est le thème que nous allons développer ensemble jeudi. Et qui ça, moi, ça veut dire émeute? L'idée est sens tumulte, c'est-à-dire bruit, et dispute. L'idée est sens tout soulèvement. Ok? C'est tout sens ça, moi, ça. Li capable gagner. Témoignage de Paul dans grande ville ça, une ville qui sophistiquée qui c'est Éphèse, l'était si efficace et que Paul t'a gagné un impact et oui, témoignage Paul a gagné un impact sur un moteur économique important dans ville ça. Le tourisme dans ville ça, l'était central sous temple ça qui c'est Artemis. Songez, nous te dit Artemis c'est une déesse et protectrice que Éphésiens ou bien habitants Éphèse ont gagné à cette époque. Ils ont gagné un bel temple pour lui. Temple là était belle. Temple était une magnifique structure qui était composée en partie de 127 piliers et chacun d'environ 18 mètres. Chaque était gagné 18 mètres. Il était fait en marbre de Paris. Un marbre blanc, pur et impeccable, très prisé pour les sculptures. Il y a 36 dans le pilier ça, qui étaient sculptés et qui étaient couverts avec l'or. Et ça, c'est une valeur avec le temple. Ok? Et c'était. Et temple ça, et dans l'Antiquité, il était considéré comme une de ces merveilles que le monde lui-même les connaît. Préoccupé par le fait que la théorique anti-idolâtrie de Paul t'a pas réduit le soutien financier du temple.
Démétrius, l'orfèvre, incita ses collègues artisans à une révolte. Eh bien, monsieur, ça, t'as pas le révolter, t'as pas le soulever, eh bien, contre l'apôtre Paul, parce que Paul t'a prêché contre l'adoration qui t'est gagnée contre faux Dieu ça. Paul t'a dénoncé, eh bien, comportement qui habitait au gagné à cette époque. Eh bien, t'as pas le en foule, en pleine expansion et très énergique, depeuplèrent le marché en direction du grand théâtre. Il y a un espace qui est capable d'accueillir 25 000 personnes. Et là, nous avons loué une agitation eh bien, qui va continuer pendant des heures. Nous avons parlé pour dire grande est la Diane des Éphésiens. Déesse a créé Artemis là, mais son nous a dit Romain aurait les Diane. Eh bien, nous avons soulevé contre l'apôtre Paul. Eh bien, après que foule là, t'es dispersé par le secrétaire de la ville, Paul t'a pas rencontré les croyants et il t'a pas quitté ville là. Eh bien, à la fin du ministère, ou bien à la fin du troisième voyage missionnaire plutôt, Paul t'a pas rencontré ancien l'église d'Éphèse. Mais nous voilà comment, eh bien, Paul t'est résumé, comment nous-mêmes nous sommes capables de résumer plutôt préoccupation que Paul t'a gagné pour l'église là. Nous pourrons lire ensemble parole ça et puis après ça, nous avons dit qui ça Paul, eh bien, il était vlé ou bien qui préoccupation qu'elle t'a gagné pour l'église là. Cependant, 2001, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle ne m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur et qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni de l'argent, ni de l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui était avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire.
Eh bien, Noé et Paul t'ont montré préoccupation pour l'Église. Premièrement, Paul parlait de conversion membre l'Église. Paul parlait après qu'il parlait qui ça qui capable arriver. Ok, Paul montrait par coulis à Éphèse comment ça a été. Paul encourageait l'Église pour le travail, parce que c'est pas de travail capable de supporter l'autre monde. Paul parlait de persécution qui a tenu, mais ça va problème bouli. Paul parlait de un tas de choses qui ont de grande importance en dedans, et bien chapitre ça. Mais nous pas laisser faire, et bien nous pas laisser garder et une chronologie provisoire de la relation de Paul à Éphèse, c'est-à-dire quelques dates importantes. Eh bien, dans la vie de Paul, dans la relation qu'il a développée avec les chrétiens ou bien les croyants ou bien les habitants d'Éphèse. Dans l'année 52 après Jésus-Christ, Noé, Paul t'a fait première visite li, eh bien, à Éphèse. Une visite qui était vraiment courte, une brève visite. Dans l'année 53 après 56 après Jésus-Christ, nous avons le ministère, nous avons le 3 ans, Paul t'a effectué 3 ans de ministère à Éphèse. Nous voyons encore, Paul t'a pas écrit première épître pour Corinthiens vers la fin de son séjour à Éphèse. Et Corinthiens 16, versets 5 et 9 comme preuve. Dans l'année 57 après Jésus-Christ, à Milet, Paul t'a pas rencontré les anciens d'Éphèse. Et bien, dans l'année 62 après Jésus-Christ, Paul t'a pas écrit l'Etat pour le voir bail. Éphésiens, le ça, il était à Rome, dans prison. C'est-à-dire, nous, Paul, même en de prison, Paul était un serviteur qui est fidèle. Paul a écrit lettre pour encourager l'autre monde qui a découragé et qui côté Paul. Paul trouvait le nom en droit côté le tas de découragé, mais nous, lui-même, il n'est pas découragé. Réflexion nous bouchons qui ça dit. Veuillez donc vous souvenir que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous, déclara Paul dans Actes chapitre 20, verset 31. Selon même, contre qui ça Paul te mettait l'église là, te mettait l'église là en garde. Ok? C'est-à-dire, non seulement l'église dans le passé, mais l'église aujourd'hui. Et nous, Paul a montré que nous parlons de découragement, de persécution, de souffrance qui a venu. On s'est trouvé un pile qui vient introduire une série de doctrines, une série d'enseignements que Christ lui-même n'a pas planté dans l'Église. Eh bien, Paul, mettez-nous en garde contre toute bagaille sérieuse. Eh bien, Paul montrait, moi, ensemble avec vous, nous sommes très prudents en tant que serviteurs de Dieu pour ne pas quitter le monde, mener nos côtés, nous pas doué aller. C'est-à-dire, nous, malgré des monde qui a soulevé contre Paul, à cause de la prédication de l'évangile, mais nous, Paul, il était fidèle ensemble avec bon Dieu. Nous-mêmes, tout, pendant que nous travaillons, nous allons à l'université, nous allons à l'école, nous avons construit, nous avons acheté des maisons, nous avons acheté de nouvelles voitures, nous avons fait tout ça que nous gagnons pour la vie sociale, nous. Mais on nous fait en sorte que nous avons été fidèles, été fidèles dans la volonté de Dieu. Les mythes de le théâtre, c'est des portions d'études que nous avons ensemble pour aujourd'hui, qui est lundi 26 juin. Papa, nous qui dans le ciel là? Nous bénissons, nous faisons louange pour vous parce que vous êtes digne de ça. Maintenant, oh Dieu, nous mettez fin avec l'étude pour aujourd'hui. Bonne capacité, jour après jour, pour nous capables de comprendre la parole, méditer sur vous et vivre dans la vie. Merci parce que vous exaucez nous. Maintenant, Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.